Le pigeon que tu dois attraper, tu dois, ouais, tu dois zigouiller, tu dois sécuriser un mec et tu dois zigouiller des mecs qui veulent s'en prendre à lui. Parce qu'il a fait trop de la merde, quoi, il a trop fait le con. Alors. Facile, normal, difficile, cauchemar. J'en ai combien des goupilles? Ah, il est possible de changer tout le monde en difficulté. Oh, bon, d'accord, on ramène juste en normal pour venir vite. Hop. Nice. Tac. Ah, ça va, j'en ai 20 goupilles, ça va. Je t'assure, c'est pas des goupilles de grenade, hein. Bah, je suis dans Unity, on est 1789. Ah oui, c'est sûr que... Voilà les grenades. Enfin, je dis ça, mais dans Rogue, il y avait l'espèce de fusil avec des grenades à fragmentation. Ah! Là, ils sont. Je rêve ou c'est ma voix que j'entends derrière? Non. T'es un menteur. Oui. Tu me mens à moi? Ah putain, c'est vrai, j'avais écouté avec le son fort parce que... Moi qui t'ai Je suis seul chez moi. toujours été respectueux envers toi. Alors, montons, montons, montons. Ah, le bot qui fait son travail, c'est bon ça. Bon, par contre, j'ai envie de te dire, mais Notre-Dame, elle est sacrément haute, hein. Bah, dis-toi que de là où je suis, je vois pratiquement tout Paris. Bah maintenant j'ai plus de son, c'est triste. Aïe T'as plus de son du jeu? aïe. Le son de la musique paraissait fort, du coup je l'ai enlevé. Mais. J'ai baissé le reste. Un peu trop, on dirait. Non mais le mec, mon bonhomme là, putain, il fait des sauts de turfu sur Notre-Dame au calme. Un mec qui fait ça, il se loupe, il se tue. Attends, je peux. Ouais, on va faire ça parce que. Tac. Effet sonore, on va mettre plus. Ouais, je veux cette thune qu'il y a dans ce putain de coffre pour payer mes goupilles, ouais. C'est quoi ça booste des dialogues? De quoi? Audio dynamique. Boost dialogue des dialogues, ça veut dire quoi? Pour aller plus vite? Dans les dialogues, peut-être, je sais pas. C'est la première fois de ma vie que je voyais cette option dans un jeu. Bouge des yeux. D'accord. Continuez. Ah, c'est mieux. Oh, Ptolémée. Ah oui, Ptolémée est une ordure. Je t'en rends vite. Bah, je pense que tu as te rappeler qu'il y a environ 2 ans maintenant, ou peut-être 3. Non, il y a 2 ans, je crois, Notre-Dame a cramé en partie. Ouais. C'est toi le Bah, tu sais ce qu'a Medjay fait de Ubisoft? Ils ont Siwa. collecté des fonds. Je Et ils ont croyais offert que les gratuitement Medjay Unity pendant devaient un moment. protéger Et, le pharaon. Ubisoft a mis en place Je ne suis le comme un Medjay programme, on va d'aucun dire, pharaon. de reproduction parce Tu qu'il avait vois été ça? copié à l'identique. Notre-Dame a été copié Je sais lire mon à propre nom, l'identique. Nec. Mais à la totalité, hein, pas à moitié. Hein. De Notre-Dame pour qu'ils puissent la reproduire pour les futures rénovations. On te trouvera! Mmh. On te trouvera! Dans ton sommeil! Dans mon sommeil, je ne dors jamais! Ça insulte des chiens, ça insulte les femmes de J'attends, chienne. moi! J'attends dans l'ombre! Et je vous tuerai tous! Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là! Là, tu vois, il y a une bagarre entre des hommes. Je sors juste à peine mon épée. Les mecs, ils me regardent et se cassent tous la gueule. Dans les toutous. Si vous avez Bah, vu son menteur. stream. Poum poum la connerie. Ah oui, d'accord. Ce qui est ironique, c'est qu'il y avait un mec qui était saoul et à l'instant même où j'ai sorti mon épée, il est devenu. Il a Tu as dessoué. tué mon maître et tu m'as laissé pour mort.
Ça avait été plus étrange. Ton maître était un meurtrier. J'ai juré de le protéger. En retirant. C'est une question d'honneur. J'approuve. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. D'accord. Tu es rapide, Medjay, mais moi je suis puissant. C'est vrai qu'il y a une partie de Paris que j'ai. Il y a des parties de Paris que j'ai toujours pas. Je suis fier d'affronter le dernier des Medjay. Je suis impatient de voir comment tu te bats. Ah, je peux rester tout le temps Paris. Ouais, mais c'est pas intéressant. Franchement, tout en paré, ça bouge pas, donc il n'y a aucun intérêt. Mais tu vas voir que tu pourras pas parer les coups éternellement du mec aussi, hein. À un moment donné, tu vas devoir encaisser. T'es en live là ? Ouais. Sur Twitch. Alors il est beau. Le jeu. Ouais. Après, c'est pas, ce que je cherche en jeu. Mais... Cet endroit servira de tombe à l'un de deux. C'est plaisant, mais. Ce sera toi. Quand tu vois que je joue encore du Medieval 2 Total War, un jeu qui est. Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Ah oui, comment il s'appelle le mec là? Hippatos. Bah, le mec il va dire ouais c'est toi qui va crever quoi. Ah ouais. Mais après il... Après Odyssée c'est en Égypte donc Après si tu maintiens R1 il me semble que tu enchaînes le coup. S'il a pas s'il se protège pas avec le bouclier, si tu maintiens R1 tu enchaînes des coups. Ah mais dans le dos, ah ouais. Ah, par contre, s'il donne des coups, je te conseille d'éviter hein, parce qu'il va faire mal. Hein. Bon, après, c'est le tuto. Hein. Après, si tu maintiens R2 pour l'attaque violente, et bah, tu fais une grosse attaque avec beaucoup de dégâts. Si tu maintiens R2. Anubis t'attend. Ok. Ah, bah, en plus. Un petit loot direct. J'ai vu. Le finish est beau, tu verras. Ah oui, effectivement. J'ai vu beaucoup mon frère y jouer et C'est ce qu'Arabie vient sûrement envie, quelque même, part. Ah ouais, tu peux casser. D'accord. Un peu à la Zelda. Ah, je crois qu'il y avait un truc à récupérer. Bon, puisqu'il soit un gros farmer, je pense que ça va me plaire à ce niveau-là. On va pas se mentir. Du coup, t'as trouvé le caillou à côté avec les. Je crois que c'est des insectes. Apparemment, péter les peaux, ça sert à rien. Alors, dans les peaux dans le jeu, faut s'en méfier parce que t'as souvent des serpents dedans. T'as beaucoup de crotales, t'as des cobras et des crotales là-dedans. Donc, méfie-toi. Ah, excellent. Ouais, t'as des serpents là-dedans, ouais. Merci de me prévenir. Après, je sais pas si tu les as directement dès le début, mais tu t'en rends vite compte. Mais tu peux avoir des trucs bien dedans aussi ou... Parce que... Parfois des pièces, ouais, mais ça peut être assez piégeux. Ah oui. À tes risques et périls. Bon, de toute façon, il n'y avait rien au début. Ok. Bien, qu'est-ce que t'entends par bien? Dans du loot? Ah, il n'y avait rien. Pas que je sache, hein. Peut-être, mais j'en ai pas le souvenir. C'est surtout les serpents qui m'ont marqué. Ah non, faut que je me barre, j'imagine. Bah, va voir le. Merci. Bah, du coup. Pousser le caillou là. Les insectes qui sortent là, c'est par là que tu dois sortir de mémoire. Ah, d'accord, mais t'as une sorte de. La ouais, vision parce qu'en règle. Fait, en gros, t'es dans un gros. Non, non, c'est juste que en fait, pour te sortir de là, t'as un énorme trou, mais tu peux pas monter. Ah, mince, quel con. Oh, y'a une trappe, oh, bon, ça. C'était moderne à l'époque, hein. Ouais, faut que tu pousses le caillou, ouais. Non, faut que tu le. Je trouve que tu pousses un peu trop le bouchon. Torche.
Ouais, c'est ça, ça simplifie. Comment tu... Mais bah c'était oui. Visionnaire les Égyptiens, c'était le premier à vénérer les dieux, c'était les premiers à respecter les morts, à habiller les corps. Non mais c'est bien, non, mais c'est... moi je trouve ça incroyable. Au niveau médecine aussi, ils étaient pas mal il me semble, hein, pour l'époque. Ils mettaient une cuillère en bronze qui faisait, qui rentrait par le nez et ils te faisaient sortir le cerveau. Bah. Ah, excellent. Bah c'est pas petit ça, ils s'en foutaient, c'était pour que la personne puisse justement dormir en paix. Ah bah oui, ils embaument. Ouais, bah nous quand on embaumait d'où, c'était eux qui l'ont inventé. Escalader. Bon. Bah dormir. Quand je disais tout à l'heure dormir, non, c'est pour qu'ils puissent plutôt reposer. Ah, c'est immense. Cet endroit a dû être construit il y a plusieurs siècles. Ah, mais ça, tu verras vite que même si tu vas être dans un endroit assez grand, tu verras que l'extérieur, l'est encore plus. Oh putain, mais tu peux voir les loot avec. Ah ouais, bah d'accord, bah, je vais tout le temps claquer ce. J'ai besoin de ça. Trop bien. Alors sache que dans tes compétences, tu pourras améliorer la portée. Ah ouais. Ouais, tu peux améliorer la portée, ouais. Trop bien, man. Ah, parfois tu peux avoir des bouts de métal, des verres, du miel, de la bouffe, mais bon, après la bouffe t'en as besoin, hein, mais tu peux avoir des statues, ouais, des trucs de bronze, des écailles, de la fourrure d'animaux, et tu pourrais t'améliorer avec ça, ouais. Ah. Mais tu peux la vendre la bouffe et tout. Hein. Ah, oui, ouais, un peu comme dans les Far Cry finalement. C'est du troc, quoi, un peu. Et du loot, des loot. Ah. Ça y est là, j'ai trouvé mon milieu. Salut, salut. Salut, mi familia. Oh, putain. Allez, c'est parti, on va platiner le jeu, les mecs. Je me fatigue. Alors pour platiner le jeu, autant commencer tout de suite et que tu joues qu'à ça pendant un moment. Hein. Non mais je te dis ça, mais c'est vrai quoi. C'est vrai. Moi je peux pas jouer quand un jeu, c'est pas possible. Ah ouais, mais il va falloir que tu sois plus qu'assidu, hein, plus que World of Tanks. Après ça prend son temps, mais franchement je pense que il y a matière. Il y a matière. Après il y a des mécaniques qu'il faudra que tu retiennes. Hein. Mais c'est un jeu très complet. Même le jeu de base est bien, mais avec les DLC, j'ai vu des trucs que jamais tu verras dans une vie. Hein. J'ai vu des trucs. Bah ça tombe bien, tiens. Blasé. En plus il monte vite et tout, ah ouais. Par contre dans Valhalla, ça c'est le truc qui va me faire chier, hein. Le perso qui monte lentement. Bon, ah, on y est pas tout de suite. Dans Valhalla. Ah c'est ultra lent dans Valhalla. Tu sais ça parce que t'as vu des vidéos? Ouais, des tests du jeu. Bah, je savais que je jouais déjà pour Odyssey. Bon là pour l'instant de toute façon Valhalla il est ouais, assez mais récent, je te dis, au moins ça t'initie un peu. Mais comparé à Odyssey, Odyssey est plus long aussi. Ouais, tu marches sur des montagnes d'or, y'a pas de problème. Voilà, je sais pas du tout. Moi un truc que je trouve fou c'est que la lampe quand tu la elle s'épuise pas, je trouve ça fou. Ah oui la torche. Ah ouais c'est vrai que. Elle tourne depuis un moment la torche. Bon la torche de mémoire moi j'ai jamais su, elle s'est jamais éteinte, sauf si bien sûr tu vas dans l'eau. Mais sinon elle s'éteint jamais. Je sais pas quoi ce qui brûle mais Ah oui tu verras aussi quand tu prends des cordes. Quand tu des fois tu vas utiliser un peu comme une tyrolienne, mais sauf que la tyrolienne c'est pas un gadget, c'est tes mains. Et le mec il se frotte même pas les mains, il y a même pas les mains qui brûlent, tu vois. Moi je trouve ça fou. C'est logique, tu vois. Dans la vie t'aurais la main en feu. Ah ouais, clairement, putain. En plus avec une vraie mais corde. Mais en plus, non mais t'as des cordes, mais elles sont pas de 20 mètres, hein, elles sont plusieurs centaines de mètres. Hein. Ah. J'ai brûlé cette touche non-stop. Hein. J'ai pas raté des trucs là, non. Mais tu verras que t'as des endroits absolument magnifiques. On va aller voir. Après, ce qu'il faudrait déjà en premier, c'est que tu sortes de l'endroit où t'es. Parce que c'est vrai que ça c'est grand, mais moi je sais plus comment. Mais ça fait du bien quand on sort, c'est ça.
Bah. Et le monde s'ouvre à toi. Non. Plus c'est toi qui t'ouvre au monde. Ouais, c'est vrai. Ah, descendre, c'est là où j'étais en bas, d'accord, ok. Moi, je m'ai fait une montée, il y avait un petit peu de loot. Pas grand chose, mais. Et moi, je dis. What? Ah, tiens, on assiste à un bug! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais rester dans cette position du coup. Ah, c'est très drôle. Ah, putain, ok. Oh là là. Bon, t'as bugué? Ouais, il doit pas y en avoir beaucoup en vrai, je pense. T'as bugué? Ouais, il y avait vraiment un bug. Et t'en es sorti? Oui. Et ça vaut pas se placer pour avancer en fait. Moi j'ai eu un bug chelou lors d'une première zone où j'ai joué, j'ai eu un sacré bug aussi, ça m'a fait marrer. Bon, après un monde ouvert comme ça, c'est impossible qu'il y ait pas de bug quoi. Non, puis c'est un jeu Ubisoft. Hein. Pas hein. Après ils sont très bien, mais bon, tu verras qu'il a son autre bug, mais il est super. On va rien dire. Qui c'est chez Chouné? Ouais, Chouchouné, ouais. Bah, c'est le seul Assassin's Creed qui en a pas trop pris pour son grade. Je suis revenu au tout début. Hein. Par contre, Valhalla, Odyssey, ils en ont pris plein la gueule. Hein. Mais celui-là, ça va, franchement. Il y en a certains qui méritent, j'ai envie de dire. Flotton, tu sais, je crois que c'est celui qui a pris le plus cher. Ah oui, bon, je regarde pas trop, mais est-ce que t'as un logo sur vers d'à côté de ton écran? Est-ce que t'as un logo? Parce que si tu gagnes de l'XP, tu peux avoir un logo sur ton écran. Un logo. Et généralement, il est vers en haut à droite. Est-ce que t'as un petit logo? Ah ouais, j'ai un logo, oui. Bah, c'est-à-dire que tu peux monter en compétence. D'accord. Ah, là-haut. Après, bien sûr, t'as des logos. Par exemple, t'es obligé de passer des fois par certaines compétences pour en débloquer d'autres. Est-ce que je me fais mal là? On va voir. Ah oui. Faut que tu dans le menu. Mais faut que tu appuies sur ton pad, le menu. Bon, de toute façon, il va montrer tout ça. Moi, je suis venu avec ciel comme un bon petit toutou. Et puis voilà. Mais genre, j'ai plus loin. Aïe, aïe, aïe. Puis, ah oui, par contre, si tu te blesses à un moment donné, c'est possible parce que tu es quand même... Ah oh bah, je vais me blesser. Là, tu vas boiter. Tu vas un peu boiter. Ah. Et dans l'Odyssée, quand tu passes à côté d'un truc à loot, il prend pas tout seul automatiquement le truc, non? Faut une compétence pour ça. Ah, pareil dans Origine. Il fait tout seul. Ouais, je crois. Ah, faut que je la prenne. Absolument. Absolument. Ok, bon, essayer de sortir de là quand même. Non. Yep. De mémoire, ouais, je crois. Je pense. Après, j'ai des doutes, mais de mémoire, il me semble qu'il est. Hop là. Lui est grand, donc je peux comprendre après que tu puisses te perdre éventuellement, mais j'ai l'impression que... Après, c'est vrai que comme l'endroit se ressemble un peu partout, tu peux avoir tendance à te perdre. Mmh. Ouais, c'est immense et bien foutu quoi, c'est ça aussi le truc. Oh, c'est pas trop bugué. Bon, après tu dis que t'as eu un petit bug, bon après... C'est pas... Moi ça me choque pas hein. Bon après ça m'a pas empêché de jouer, hein. Je savais très bien comment en sortir donc... À partir de là... Ah là-bas, ok. Comment je... Ah bah là. Sérieux? Il va monter là? Après, bon, c'est pas parce qu'il est trop au plafond que tu pourras y accéder si t'en trouves. Hein. C'est vrai que la lumière passe parce que t'es pas complètement dans le noir. Mais ça m'étonnerait que t'y arrives. Hein. Là où il arrive à monter, quoi, putain. Ah mais oui, par contre, Ubisoft a connu avec ça avec Odyssey. Dans sa, on va dire, dans sa capacité à pouvoir maximiser les possibilités d'escalade, ouais. Ils ont maximisé au plus haut point. Oui. J'arrive dans le monde des vivants, ça y est. Des soldats. Bien entendu. Mais c'est qui, nous? C'était quoi? Ah d'accord, ok. À mort. Ebzefa. Ah oui, non mais j'ai attention. Pas ma... Ouais, sans une arme, forcément. J'avais deviné. Aïe.
Non mais comment... what? J'appuie sur... Ah oui d'accord, ok. Ah oui, d'ailleurs si tu te bats, je te conseille de te battre avec une épée. Bah t'as ton épée, il me semble, de base, ton épée sera toujours plus efficace. C'est L3, c'est L3, c'est L3 pour mettre ton bouclier devant. Mais je t'ai dit, en maintenant R1, t'enchaînes les coups, je cours rapide. Moi c'est... c'est L1. Mais c'est L3 pour lock. Ouais, peut-être L3 pour lock, t'auras une espèce d'indicateur dessus, ouais. Ah d'accord, faut ça se... une fois que c'est pris en main, après ça va tout de suite, ça va mieux. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Ça fait des mois. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine. Putain, de... c'est la voix du Black dans Until Dawn, quoi. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Je sais plus comment il s'appelle. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te... jeux d'horreur ? Ah, non. Ouais. Pas question. La voix de qui, d'Ebzefa ou de... Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront. Le de, du mec de la ville. Hein. Qu'est-ce que Ebzefa. Tu vas manquer le quasi cheveux avec ce bien rasé, c'est Ebzefa. Ok, Ebzefa. Ah oui, je sais pas si c'est au courant, mais tu pourras personnaliser ta barbe et ta chevelure. Ah. Ah, ça. Ouais, tu peux enlever. Ouais, tu peux enlever tes gros cheveux style Rasta et ta barbe, tu peux l'enlever si t'en as envie. Ah. Te voilà, toi. Ah oui. Tu peux gérer tu peux customiser ta pilosité. Comment vont les choses depuis mon départ? La vie est très difficile. Le chameau, la meilleure monture du monde. Absence, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison. Il peut supporter 60 degrés pendant des jours. C'est tellement drôle. Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois. Mais j'aurais besoin d'aide. Je ferai mon possible. Qui peuvent marcher des... Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Pendant plusieurs jours, je savais que je pouvais compter sur toi, Zélie. Allez, fin. Mais tu verras que c'est beau, hein. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression de manger dans leur main, ils mettent le feu au hameau. Ah, tu trouves comment? Niveau visuel, franchement, moi je le trouve incroyable. Wow. Ah, mais super beau. Toi, mon ami. Ah, super, mais bon. Hop. Après, bon, t'as la console qui se prend par un avion, quoi. Bah, encore là, ça va. M'attendais à pire, quand même. En termes d'avion. Oh putain, oh putain, où ça tourne? Où ça tourne? J'arrive, Maurice, d'abord je loot. Laisse-moi looter Michel. Ah, il y a des trucs, t'es obligé de s'appuyer. Ah oui, mais... forcément. Ouais, ça c'est les caisses où généralement t'as des armes dedans. Tu dois maintenir. Ah, celle où il faut que tu maintiennes. Ouais. Oui. Mais les rapides, généralement, c'est soit des pots ou des... Je vais faire 10 mètres à chaque fois, ça va être terrible. Bah, après, je te conseille de faire tout le temps ça, t'as quand même un mode histoire, c'est pas pour ça que t'as... c'est pas pour looter que t'achètes le jeu. Bah, franchement, si. Non, bah, arrête. Aïe aïe. Je t'avais dit plusieurs fois pourquoi je joue à The Crew 2. Bah voilà, je te connais pas très bien, on dirait. C'est pas pour du loot que tu joues à The Crew 2. Ah si, ouais, si, si. Pas. Ouais, mais le loot, ouais, mais tu dois y faire des courses. Bienvenue chez toi, Bayek. Si ou à t'accueille à bras ouverts. Ah bah si les courses rapportaient pas de loot, je ferais pas les courses. Aïe aïe. Qui est bon. Ah mais si ça t'apportait de la thune, je vous ferais quand même. Tout ce que vous possédez,
Vos fermes, pas sûr. Vos biens, vos enfants, avec la thune, t'achètes des voitures, hein, quand même. Donc... Ouais, mais moi, c'est pas le truc qui m'intéresse, quoi. Je suis un farmer, moi, monsieur. Ah oui, je vois tous les... D'accord. Effectivement, il y en a beaucoup. Il n'y a pas d'interrogation. Étrangement, je suis niveau 1. Bah, c'est normal. Depuis le début, moi, je suis 50 et quelques. Après, ah ouais. Je suis après 100 heures de jeu. C'est combien niveau max? 60. 60. Bah, ah ouais. C'est logique. Dans Odyssée, c'est 70. De base, et ensuite, il est monté à 90. 99, après, bon, pratiquement 100, quoi. Mais ça va avec 99. Mais bon, avant d'arriver à 99, de, voilà, c'est... Il y a de quoi faire. Plus de centaines. Ah oui. À la base, 70 de jeu de base, après, il monte à 100. Le 99, pardon. Ok. Dégagez le passage. Yep. Le Téton Pass, c'est des personnes qui marchent. Ah, l'osif. Quand il parle, le Téton Pass, tu comprends pas. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Vas-y, entre. Mais tu vois que les gens, les soldats sont pas très gentils. Ah. Un peu des flèches. Faut genre. Ah, d'accord, ok. Non, mais ok. Aïe aïe. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. T'as pas mal de cinématiques aussi. J'en ai aucune envie. C'est vrai que t'en as pas mal. Je dois me préparer à la rentrée. C'est cool. T'as bien su l'histoire. Les soldats ont encore. Payek. Rabia. Marabia. J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien. Hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Regarde-toi. Des bleus. Des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez. Allez, je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné? Vous mentiez à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Affronter qui? Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Medunamun. Vaut mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. Maintenir le 2. Un boss là, je crois que c'est un nom plus solide que l'autre. Égyptien. Medunamun, c'est il ça. Il est bien tendu. C'est un vrai lâche. Il est vraiment dangereux. Essaie de nouveau. Ok. Bien. Ebzefa. Qu'est-ce qu'il y a? Des soldats viennent te chercher. Allez. Viens, vite. Après, je me souviens, t'as la petite dame trop gentille, là, je sais plus comment elle s'appelle. Personne ne doit quitter cette maison vivante. Ouais, c'est ça. Elle l'a dit, ouais, tu t'entailles et tout. Nous venons seulement discuter. Tu t'entailles tout le temps, depuis que t'es jeune, ouais. Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. Il est resté le même, c'est vrai que... Il suit tout le temps des coupures, lui et Aya. Tendez une Aya, je crois que c'est sa femme. Nek, ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Et là, t'auras les soldats qui vont pas tarder d'arriver. Attention. Si ça fait le truc, normalement, l'initiation à l'arc. Il y a des mecs qui vont arriver. Détection. Quoi? Qui est là? Baisse-toi
Il s'approche un peu trop. Ce que... Hey. Maintenant, ah. Autour des autres. Ah oui, on n'a pas encore la vague. Ouais, quand tu s'approches un peu, tu t'appuies sur triangle et là tu l'exécutes, ouais. Il va avoir droit à une surprise. Et s'ils sont pas trop au level, tu peux les monter. Alors ça dépend, après ça dépend de ton équipement. Après tu sais que t'as la lame des assassins, si tu l'as et tu vas l'exécuter avec ça, sinon c'est un coup de coude, ça dépend. Pardon. En gros c'est soit un coup de coude, soit un coup de lame. C'est sûr que ça allait pas durer avec moi le... Hein, Maker. Appelle l'embaumeur. Ah merde, putain, tombe de touche. Faut j'arrête de jouer à 40 jeux différents parce que forcément, c'est pas facile avec les touches à force. Quel bourrin je suis. Ah d'accord. Mais putain, mais 32 touches encore. Je les connais, mais à force de jouer, putain. Ah, d'accord, ok. Putain. C'était le dernier. Merci, Bayek. Je t'avais dit que ces Neketia Det se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Le ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer pas, tous les voilà, devoirs du Medjay, de Yasiwa. Ou même de 10. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. De quoi? Tu penses quoi de Medunamun si tu le vois? Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Il a une sacrée gueule. Bah, il est chaud. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sacré. Bah, après, je pense pas que ce soit détail le plus frappant. Une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Moi, son pif, il m'a marqué. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et c'est nous pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. C'est nous. C'est nous est en vie. Regarde qui voilà. C'est nous, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Quête terminée. Ok. Niveau 2 déjà, c'est bon ça. D'accord. Ça c'est les quêtes, ça c'est quoi, cible? Ah oui, c'est un peu la... Wildland. Un breakpoint, faudra que je le fasse, hein. Putain, j'avais bien avancé. Un breakpoint, ouais, j'aimerais bien le faire, ouais. 8, bah voilà. Une meilleure épée. Bouclier. Parfait ça.
Ouais, ça donne du stuff légendaire dès le début avec le... Bah oui. Et ça, c'est un avantage. Débloquage de lettres déjà. Ah d'accord, ok, ok. Ah, la place du chameau pour un cheval. C'est plus correct. Cobra du désert. Oh, oh, oh. Aptitude. Oula. Ah oui, c'est bon. Parfait ça. Bah, généralement, il te donne un peu tout, une tenue, du loot un peu différent. Vu que t'as l'édition gold. Notre santé peut se régénérer en combat. Moi, je prends direct ça. Hein. Voilà. T'as combien de points d'aptitude? Tu dois en avoir deux là, du coup. Un ou deux? J'en avais quatre apparemment. Putain, ça fait beaucoup ça. Sympathique. Ah bah là, je te conseille ceux de base, comme ça, moi, tu pourras les avoir après par la suite. Qu'est-ce qu'il m'a fait un pont? Vous asseoir, méditer et amener le temps à s'écouler plus vite. Ok, ouais, c'est pour passer le temps quoi. Ah, quand tu maintiens le pad, ouais. Tu passes le temps. Ah, c'est très beau, tu vois des beaux paysages. En plus, en vrai. Après, oui, parce que t'as des trucs que tu peux faire que de jour ou de nuit. Notamment pour les sites lunaires. Mais ça, tu verras plus ça plus tard. Fouille automatiquement. Ah, c'est, il me le faudra aussi. Ça, c'est quoi? L'ennemi. Tiens, en plein tête, rapporte. L'XP bonus. Après, après, il y en a un qui était de base de mémoire, c'est quand tu assassines un mec, tu as l'XP. Prends-le de base. Ça te rapporte l'XP de bonus. Ce que je veux dire, c'est quand tu fais le triangle derrière un mec, ou quand tu l'as surpris. Ouais, c'est ça. Et je peux même mettre juste après le... que ça le fouille directement, c'est pas mal. Y'a quoi? Un sens de détection. Assassinat, succès. Rapporte des XP bonus. Ah ouais, ça c'est plus dur à faire. Ça c'est quoi? Permet de placer des flèches à deux. Ah bah oui, t'as ton bouclier. Ah bah oui, c'est quand tu te protèges avec ton bouclier. Bah oui, quand tu fais L1, t'as ton bouclier devant. Bah les flèches que tu as dessus, tu les gardes pour toi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah faudrait que tu vois le trailer de base de d'Odyssée. Non, l'Odyssée d'Origins. Et tu verras qu'il y a un mec qui lui tire un arc, il avait une flèche le mec. Ouais, il a tiré une deuxième et le problème c'est qu'il n'avait plus. Le mec l'a tiré, il a son bouclier arrêté, il a pris la flèche de son bouclier, il a tué un mec. Oh mais putain. Pack. Extension. Ceinture en main. Ah, tu as des extensions les packs. Attends, tu vas dans la boutique là. Je regarde vite fait, ouais. Ok. Tu sens que t'as Season Pass? Bon, il y a marqué acheter, mais j'ai l'édition Gold, c'est sûr. Hein. Mais après, est-ce que tu l'as téléchargé le pass? Le Season Pass, parce que tu l'as pas téléchargé? Je crois que. Il va pas le reconnaître. Bon, après, peut-être que c'est le début du jeu, donc. Non, moi je l'avais tout, moi déjà. Obtenir. Oh. Merde! Ah! Magasin? Ah, c'est un magasin. À qui? Merde. Ah! Il est arrivé. Obtenir. Oh, la tenue de chevalier! Oh là là, sergent de gardien. Après, les armes, tout ça, c'est peut-être mieux de les récupérer quand t'es plus haut level, non? Oh, peu importe en vérité. Peu importe. Mais non, au lieu de les avoir au début, quoi, comme ça, moi, t'as pas de la merde au début, quoi. Après, bien sûr, au fur et à mesure du temps, t'auras des meilleures armes, c'est évident. Bon, non, je vais voir quand même. C'est le GeForce vaisseau stream, on a Bicom. Famous, ouais. Ouais, c'est. Ouais. Ah, oui, d'accord.
Les cancers. Ouais, y'a un mec qui veut faire sa pub? Non, c'est juste qu'il dit ouais, tu avais plus fait mieux, machin, je sais pas quoi. Ah bon, oublie alors. Zap. Voilà. Parfait. Machin. Okay, pourquoi... Ah oui, d'accord, faut. Ok, laisser appuyer c'est l'inventaire directement. Et oui, je dois faire quoi du coup? Pour ouvrir le journal de quête et suivre. Ah d'accord, ok. Alors. Terminé, ça on s'en fout. Annexe. Ça c'est. Ouais. Principal, c'est niveau 5, ça c'est quoi? Ah c'est. Ok. On va mettre ça. Il me faut des pots, je dois chasser. Quand tu en auras l'occasion, jette un œil à ma table. Ah y'a la chasse! J'ai dit oui. Ah d'accord. Ah oui, t'as deux quêtes. Ok. Térémoun. Ça ne lui ressemble pas d'abandonner. Ah, tu veux prendre les deux, la d'accord. La source d'eau douce dans la grotte à Manaï. Je connais cette grotte. Mieux vaut aller voir. Ouais, que... Hein? Ah d'accord. Oh, le didacticiel du jeu, il est d'une violence. Aïe aïe aïe. Transport, mais je... Placer. Ok. Bon, bah, du coup on va chasser. Salut Naturi, bien sur le stream. J'espère que tu as préparé tes voitures pour tout à l'heure. Ah, et chauffer les moteurs. Ouais. C'est quelle heure? Ah, c'est déjà 17h, je pense que je vais y aller à 19h, un truc comme ça, jusqu'à 21h. Tranquille, tranquille. J'ai une nouvelle hypercharisme. Ah bah en plus. C'est bon nous ça. Ton collègue là? Ouais, Night Fury. Mètres. Alors. Ah d'accord, ouais, c'est comme ça. Il y a un peu d'animaux là. Ah d'accord, ok, il n'y a pas. Ok. Dans le cul. Aïe aïe. Ok. Ah mais c'est de la peau comme ça qui me font en plus. Au lieu que j'aille à 40 km. Ah oui ouais, il y a une retombée quand même. Ça paraît logique. Ça devrait suffire. Ah, tu peux récupérer ta flèche. Mais, déesse de la chasse, je te remercie. Ok. Bon, j'avais noté un animal qui était super loin. Hop. Hop là. 2 d'XP. Tac. Ouais, comme ça, on va aller plus noter. Les oiseaux aussi Les quoi les oiseaux? Ah, ah tu peux les tuer les piafs, ouais, tu peux les tuer les piafs. Ah. Tu m'as encore plus motivé. Ah mais... Ah oui, c'est pas facile hein. De quoi? Ah tuer les piafs. Ouais bon. Ah ils sont petits, après ils me sont que t'as une visée, une idée assistée qui t'aide. D'accord. Laisse tomber sinon toutes les flèches ils vont y passer. Ouais laisse tomber. Pourquoi tu peux en fabriquer des flèches? Tu peux les fabriquer. Ah ouais? Ou alors les acheter. On va les fabriquer autant. Après ça coûte pas cher. Tu fais quoi? Tu fais comme dans Minecraft, tu casses des arbres. Ouais t'as des trucs comme ça ouais. Sérieux?
Ah, quand il se pose par contre c'est... What? Ah, c'est peut-être un bug ça. Il y en a deux qui est tombé d'un coup du ciel. Je crois qu'il y en a deux qui sont rentrés dedans. Oh putain. C'est pas mal ça. Tu peux chasser les humains aussi? Non mais je veux le mec. Oh putain, super glauque. Super glauque, hein. On doit rendre la quête là-bas, c'est ça? Ouais. Hop. Triangle. Qu'est-ce qui est arrivé à ta force? Elle a coûté 2 millions. C'est Neketia tête de soldat. 100 000 environ. Ah ouais. 2 millions 100 000. Et m'a accusé d'être un rebelle. Ils n'avaient pas tort. C'est cher. Mais ils m'ont pris tous mes outils. Ah, les chiens. Tout le monde a besoin du forgeron. Même moi. Je ne peux pas t'aider, Bayek. Pas avant d'avoir récupéré ma masse et mes pinces. Et qu'on m'ait débarrassé de ce capitaine aussi laid qu'Apep. Tu sais où je pourrais le trouver, ce capitaine? Et tes outils? Au pied des collines, à l'ouest d'ici. Au camp Shedje. D'accord. Je te rapporterai tes outils. Je m'occuperai de ce capitaine. Donc, en voulant ramener ma quête, j'en ai récupéré une autre. Capitaine. Oui, j'ai le mauvais endroit, quel con. Est aussi le chef du camp Shedje. Juste là. Bayek, sois prudent. Siwa est un endroit dangereux. Hop. Bah, tu... Ah oui, d'accord, ok. Bon, je sais pas. Du coup, maintenant, je... Quand je... C'est à l'intérieur. Il faut que je monte. Ah mais non, c'est la vue d'œil là. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est merveilleux. Ah, les icônes, pour l'instant, je suis pas encore... En même temps, c'est normal. Hein. Hop. Synchronisation effectuée. Donc j'imagine qu'en bas, je devrais avoir de quoi sauter, effectivement. Voilà. On change pas un Assassin's Creed. Prochain il y a là. Est-ce que... Ah oui d'accord, si j'appuie. Déplacement rapide, d'accord, moi dans comme les anciens. C'est quoi ça? Ça va être là à mon avis. Je dors à tous les coups. On va voir. Ça va pouvoir faire un test des chargements. Ça va, franchement. Putain, c'est bien petit. Hein. Hop. Je peux interagir? Non? Pas du tout. Quête. Averti. Doit mieux. Ah putain, oh le con, d'accord, ok, j'avais pas compris. C'est moi la vraie. Bonjour, je suis con. J'ai envie de mettre ça en vrai. Edward Kenway. Pour un chasseur. Ah ouais. C'est qu'en plus j'ai platine Far Cry Primal aussi. Hein. Finalement, Ubisoft, sympathique. Hein. Donc du coup... Là, il y a un truc là. Ah, c'est ça. Cuirasse, d'accord. Ingrédients, épinglés.
Ah putain, tu peux y pas. Oh, c'est trop bien ça. Ingrédients nécessaires, ouais. Ah oui, il y a de quoi améliorer, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. Épingler. On va épingler peut-être ça. Voilà. Ah, les brassards, ok, c'est pour une autre arme. Et là, j'ai pas mieux du coup. Bah non, j'ai pas mieux. Simplement. Démonter. Ah, mais tu peux démonter. Bronze. D'accord. Ok. L'aptitude, la triquette. Fabriquer une cuirasse, bah c'est fait. Il va peut-être me donner le. Ah voilà. Okay. Ça fera parfaitement l'affaire. Nickel ça. Il y a un point d'interrogation doré là. En vrai, le forgeron, il faudrait que je fasse sa quête, comme ça moi je peux l'utiliser après. Et découvrir le forgeron du coup. Et l'écurie. Oh, il est long le truc doré. Notre ah, de quête. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de quête là. Ça va pas ça. Ça c'est quoi? Trouver libéré. Et les paysans, d'accord. On va faire ça. C'est bien celui. Indique la position approximative de votre cible. Rejoignez cette zone avec Bayek ou Sanu. Ou Sénu. D'accord. Okay. Par le grand Amon, c'est notre Bayek. Prudence, Bayek. Ça va, calme-toi. Calme-toi, putain. Jane Star dès le début, quoi. Oh. 200 mètres, allez. Ouais, je pourrais appeler ma monture quand même, non? Ah, oh, mais c'est une quête, d'accord, ok. Ok, ok. Il y a aussi, de ce que j'ai compris, les zones du jeu, en fonction des niveaux. Et là, bon, c'est qu'une petite partie de la carte, il me semble. Libéré, ouais. C'est là. Qu'est devenue la nécropole? On l'a gardée immaculée à mon époque. Ah, ce qui est bien, c'est que tu peux. Ah merde, quel con. Oui, c'est vrai. Force de jouer à 40 jeux différents. La nécropole leur sert de tanière. On comprend mieux son état. Ah! Sert de tanière à quoi? J'ai pas écouté. Triste. Me manque. Grand-père. J'aurais aimé que tu connaisses mon fils. Hop, on éclaire tout. Hein. J'ai l'impression d'être dans un jeu d'horreur. Éclairer toutes les. Toute la baraque, quoi. Interagir. Cela faisait longtemps, fils. Tout cassé, t'sais. Aïe aïe aïe. Ah, les pots!
Putain, je fous le feu en plus. Ok. Bon, là, on peut enlever la torche. Ok. Allez, à nouveau. Truc d'aigle là-bas, on va synchro vite fait. Hop. Ça rappelle tous ces moments passés sur Black Flag et Rogue. Bon, c'est cool en plus, le niveau monte vite. Hop, c'est plaisant ça. Ah, c'est juste au-dessus, j'imagine. Ouais. Hop. Ah, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu. Attends, les sacs ils sont bien cachés. Hein. Le décor là, tranquille. Hop. Ah bah voilà des flèches, tiens, paf. On peut même aussi en trouver. Hop. Ah, munitions complètes, d'accord, bah, comme ça au moins. C'est pas un camp ennemi ça? Ah si, c'est un camp ennemi, d'accord. Je s'appuie, ouais, j'ai la chouette. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis de la merde. Je voulais pas passer dedans, Michel. Ah bah oui, on est la nuit maintenant. Ah bah c'est malin. Ouais, ah, bah, c'est malin ça. Je suis à portée. Le mec pas très discret. Alors ce qui est bien, c'est que t'as pas une animation de fouille qui dure 3 heures là. Comment tu... Ah, flèche du haut. Et oui, Michel. Comment... stationnaire. Ah oui, c'est comme ça que tu chopes les trucs importants, les... Niveau 3 là. Il y aura un truc dans. Ah bah voilà. Il me semble que la chouette aussi, tu peux bien l'améliorer. Ok. Merde, putain. Oh, mais y'en a un là. Ah, lui, ça va pas le faire. Oh, si! Ça, c'est pour mon ami. Oh, si, ça l'a fait. Bon, il dorme. Tous leur mettre des tatanes. Distribution tatane. Hop. Plus il dorme, c'est nickel. C'est carrément mieux d'attaquer la nuit, quoi. Logique en même temps. Je suis en train de monter chez moi, tu sais. Les outils de Benipe. Ok, tac. Tout est réglé.
Benipe sera heureux de l'apprendre. Ah, c'est de... Non, mais... J'ai fait ma skate sans faire exprès. Ah, c'est bon, ça. C'est les outils de l'autre, en fait. D'accord, ok. J'ai même pas capté. L'argent, blablabla, flemme de lire. Comme d'hab. J'imagine que si on défonce tous les mecs du camp... Ah oh mais non, mais va me laisser... C'est ça, crève. Ça a pas été difficile. Ok. Ah, c'est le mec qui est descendu de sa tour, en fait, d'accord. Bon, du coup, je fous le flèche, hein, faut que je pense. Il y a plein de trucs à fouiller que j'ai pas fouillé, en fait. Ouais, ça, on s'en fout, c'est le... Ah ouais, d'accord, ouais, tu peux pas les... ouais, tu peux pas vraiment les voir si t'appuies pas sur la touche. Oh, une peau. Fouille. Ah, c'est cool, tu peux se looter des peaux, des armes et tout. Ça, même le mec qui veut pas trop chasser, il peut. Hop. C'est une chance d'ennemi quand même. Il restait des gardes, mais où? Je sais pas. Peut-être faut que je l'attaque après, je sais pas. Bon, limite, de toute façon, on peut ramener la quête déjà. Ah. Ah oui, non mais... Est-ce qu'il y a un mec là-haut? Non, pas du tout. Okay. Okay, ok. Donc, sérieux? Bon, je pense que tu veux le mur en plus. Ah, je pensais. Je voulais monter sur le mur, mais tant pis. Bon, du coup, on va ramener la quête. Il reviendra peut-être plus tard, on va voir. Les paysans sont retenus, bah tiens, ça c'est une autre quête, on va faire celle-là. Yo mon. Montez. J'ai le droit ou. J'ai peut-être volé un cheval au passage. C'est pas grave. Apparemment ils m'en tiennent par rigueur donc bon. Moi j'aurais pu me TP sûrement plus proche mais bon. 17h14. Ouais. On a encore un petit 45 minutes tranquille. Ah bonjour. Ah, j'ai pas pu mettre le... Est-ce que je... Oh non, j'ai pas le... Tous les coups, j'ai pas assez. Aptitude. Oh, si. Parfait. Salut, toi, ça va? Ouais, du coup, ça le fout automatiquement, mais c'est génial, ça. C'est un camp aussi, d'accord. Enfin, c'est un temple. Okay. Pitié, laissez-moi sortir. J'ai l'impression que c'est même pas le lieu de mission, mais c'est pas grave. Un classique. Toutes les flèches qu'il me faut. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais rien. Toi. Allez. Bayek, c'est toi? Fais-moi sortir de là! Eh, c'est la même touche pour libérer que pour neutraliser quand même. Ça
ça peut être dangereux. Ils ont enlevé 4 autres prêtres. J'espère qu'ils sont. Ils sont niveau 4, hein, oh. Cache-toi ici. Les pépères, là. Le temple dès que tu seras certain qu'il n'y a personne. Il est mort ? Pourquoi il est mort ? Ah, ça a pas du tout marché, d'accord. Ah ! Ok. Mais viens là, toi. Mec, qui se cache, quoi. Aïe. Mais... Ah, ça a enlevé le... Putain, c'est... Pourquoi c'est un peu con, ça. Aïe, hop. Headshot. Les joueurs français. Ah! Non mais... Ah ouais, l'exécution ça marche une fois sur deux, quoi. Non, elle marche à tous les coups, non, j'ai mis le problème. Ah bah ça a pas du tout marché là. Putain. Objectif à proximité pour appeler. Portée, ok. Ah putain. Ah si! Ah bah cette fois-ci ça a marché. Ok. Comment... Mais c'est quoi? Apparemment faut... Ouais, faut la gonzesse pour faire ça. Merde, j'ai trompé de touche. Hop. C'est grand ces conneries. Elle est où du coup ma guette? C'est ici? Attends, on a la carte parce que là. Ah d'accord, ok, je suis dans la zone et elle est immense. Ok. Mince, trempé de touche. À droite. Elle va être cacahuète. Est-ce que je peux descendre là? Ça va faire mal là si je descends, non? Ah non, mais oui, oui. Bah oui. Nickel. Mince! Oh, je suis encore dans le temps, je l'ai pas vu. Aïe aïe aïe. En plus, ça loot automatiquement, c'est trop bien. Hein. Bien fait mettre cette compétence. Ça me lootait un milliard de mecs. Sans que j'aille le faire. Putain. Niveau 3. Alors, bah tiens. On va appeler. Ah, mais oui, d'accord. C'est pour ça qu'il me disait de faire Flash Duo. C'est pour avoir la chouette et qu'il me dise où sont les mecs à libérer. Bah oui. Ok. J'avais pas pensé comme ça. Oh, bah ils sont juste. Ils sont juste à côté de moi. C'est pas parfait ça. Mange. Se repose. Défend. Dors. Là, tu veux voir le quotidien des soldats ennemis, quoi. Il a peur d'en avoir beaucoup, là, aussi. Ouais, bon. Ouais, ils sont juste en bas. Ben, je suis allé pile au bon moment pour faire esprit. C'est pas beau ça? Vas-y, il y a un truc. Verrouillé. Partez, vite! Où est Térémon? Faut que je fasse la quête avec Yemixen qui est au doublage aussi. Hein. Mort de ses blessures. Ah, mais ça c'est dans Odyssée, je crois, je sais plus. Sa famille voudra l'enterrer d'immédiat. La quête avec où c'est Yemixen qui a
qui est doublé. Alors ça c'est une excellente question, mais j'avoue que je m'en fous un peu. Différence. Mais c'est des choses qui devraient faire plus souvent. Proposer des doublages comme ça. Ah mais j'aurais dû faire triangle, quel clan je suis. Je l'ai un peu tué devant ses potes en fait. Mince. Oh pouf, oh, le double shot. Le double kick plutôt. T'as cru quoi toi? T'as cru quoi toi? T'as cru quoi? Oh là 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 là. C'est vrai que c'est clairement pas pour les kills, hein, putain. Ah merde, je suis repéré. Oh là, il a l'air vénère lui. Oh putain. Ah bah d'accord, bah, oh, bah ok. Ok, ok. Ok, bien sûr. Bon, flemme de te battre en fait. Même si. Si je peux surtout. Ok, allez. Il est nul en fait. Surestimé. Ah ouais, d'accord. Quoi? Ah ouais. T'es en train de me dire. Il faut le juste pour déplacer le corps, très bien. C'est une sorte de mini-boss ce mec, on dirait. Il faut que j'aille en bas là. Ah mais c'est encore une zone ennemie là? Ouais d'accord. Ah mais non mais ok, il y a un truc que j'ai pas fait. Portée. Ah oui d'accord oui mais. J'avais même pas vu le cas. Portée un mec très bon. Hey. Non. Ouais, tu m'en veux pas. Je m'occupe juste de lui. Hop. Voilà. Hop. On reprend le colis. C'est bon ça. Il y a encore un mec là-bas. Hop, voilà. C'est R2 pour poser et Tréon pour prendre, d'accord. Ok, ok. Et bonjour. C'est les calendriers des pompiers. Des pompiers égyptiens. Hop. Bon, si tu peux avoir un bug et le mec passe à travers la map et tout. C'est pour être drôle ça. Moi je pense que ça existe plusieurs de bugs. Ouais, je peux y aller debout là. Hein. Oh putain, mais il y a un soldat, je l'ai pas vu. Tac. En même temps, c'est un peu une entrée. Yes. L'option de quand t'exécutes, ça ramasse tout seul. Putain, c'est trop bien ça. Meilleure aptitude. Je vais exécuter tout le temps, mais non, c'est bien, ça va me forcer à faire un peu de discrétion. Un peu comme dans les autres Assassin's Creed finalement. Je vais prendre cette option juste pour ça, enfin cette aptitude. Faut que je m'emmène juste là-bas. Putain. Rapporter le corps. En plus, c'est un cadavre, ah oui, d'accord. Bon, je peux. Térémoon. Ah, ça ferme. Ok. On a, ça donne l'impression d'être dans Ark Survival là avec les palmiers et tout là. J'ai installé sur PC d'ailleurs, je pourrais m'en faire un petit peu. Comme sur PS4. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la ferme de Térémoon? On va passer de place. Par où je passe moi? C'est bien drôle tout ça mais.
Il y a forcément une entrée. Bah voilà, là. Hop. Putain, heureusement qu'il est costaud, Bayek. Hein. Ah, voilà. Et une triste nouvelle. Où est Issa ? Elle repose ici, avec son fils et sa fille. Toute la famille. Hélas, je vois que Térémon a aussi payé le prix de son audace. Je lui avais bien dit que son insoumission ne mènerait que tourment et souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vu arriver les soldats, ils se sont cachés dans le cellier. Mais les soldats ont brûlé la maison pour donner une leçon à tout le monde. Ah, je suis désolé. Dépose son corps ici. Ils voyageront ensemble vers la droite. Il y a tant de morts dans la Wahat qu'on ne peut pas les enterrer décemment. Ouais. Fosse commune, quoi. Ce n'est pas ton esprit rebelle qui t'a valu la mort, Séni. C'est le régime pourri de Ptolémée. Trouve la. Oh, ça le pose tout seul. Eh oh. La cécité, quoi. Il en aura plus là-bas qu'il en a eu ici. 600 XP, c'est bon, ça. Ok. Donc voyons un petit peu. Quête. Un truc niveau 3, c'est ça qui m'intéresse moi. Trouver la grotte dans la montagne. Retournez voir. Benap. Équipement. Je peux le monter. Voilà. Bouclier. Ah merde. Quand tu fais très long, ça fait quoi? Je sais même pas. Moi ça je peux pas parce que j'ai pas le truc crafté, inventaire. Ok. Il est où alors Michel? 500 mètres. Ah! Il y aurait un point de téléporte. Ah oui, juste à côté, il y a là. Parfait ça. Tac. Ah, il y a un fait que je synchronise quand j'étais au camp. Bon, je le ferai juste après. Comme ça, ça fera un point de téléporte en plus. Capitale millénaire. Alexandrie demeure capitale, je peux quoi. Il possible d'activer. Désactiver. À le niveau autour des ennemis. Hop. Bon, je préfère ici comme c'est. Tac. C'est que tu iras de base. Robuste. Elle te sera utile. J'aimerais que tu puisses. Ok, bon, c'est juste là. Alors, oh non, j'ai pas joué avec ça. Voilà. C'est quand même bien mieux. Alors, sur Unity. Comment ça s'est passé? Ah non, je suis sur Warship. Voilà tout. Ah. Le capitaine n'en mettra plus les pieds ici. Je peux enfin rouvrir ma porte. Merci beaucoup. Très bien. Je t'en prie. Il y a un qui s'appelle Mr. Winterbottom, donc je sais pas si ça te parle, c'est bon, si t'as regardé Netflix. Winterbottom. Allez, prends-en une. Tu m'as dit quoi ? La même valeur. Est-ce que c'est le nom de Winterbottom te dit quelque chose ? Winterbottom ? Ouais, c'est le nom du personnage dans Murder. Pas du tout. Cet arc est équipé d'une corde spéciale. Il n'est pas très puissant, mais il permet de tirer très vite. On va voir ce qu'il vaut le Vanguard. Ouais, ça va être une machine, mais tu faut passes à mon échoppe quand tu veux, Bayek. Ah, mais. Le dernier cuirassé mis en service dans le monde, le Vanguard. Je vais choisir une arme, j'avais pas compris, du coup j'ai pris le premier, c'était un arc. Bon. Comme ça, au moins, je mettrai pas 3 heures à choisir, tu me diras. Putain, l'Orléans, il s'est pris un one shot du Georgia, quoi. Ah bah oui. Ok. Aptitude.
Ouais, non, ça c'est ouais, le machin. Ça c'est quoi? Ami d'un tireur en pleine tête rapporte XP bonus. Ah oui, c'est vrai ça. Récupérer les flèches sur le bouclier. Charger une attaque. Parade. Attaque aérienne. Permet d'effectuer une attaque depuis les airs. Ah, on peut pas de base. Ah ouais. Ah bah je vais le prendre ça. Ok, ok. Donc du coup niveau quête, je sais pas. Fais gaffe. Alors, on va mettre celle-là. Il faut qu'on trouve une grotte dans les montagnes. Mince. C'est là-bas. Alors j'ai une quête tout droit devant. Putain, le mec où il joue crade quoi. Ouais, je vais dire. Voilà, quête vite fait. 300 mètres. Quête annexe niveau 3. Il est pas résistant ce navire de merde. Moi il t'enfile des merdes. Tu vois, 7h30. Mais c'est pas là où j'étais tout à l'heure. Peut-être de l'autre côté de la montagne. Ah non, c'est pas là où j'étais tout à l'heure. Du coup, ça ressemble, hein. Les poux, pète les poux. Je suis rasé quand même. Ah non, c'est pas ici. Oh, c'est le même truc que j'ai fait. Putain, quel con. Ah. C'est de l'autre côté de la montagne, Michel. Je suis monté là. Putain, lol, il peut monter. Oh. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Le mec il a du niveau quoi. Ah. On va repasser sur l'épée. Ouais non. Faut que j'ai vite de sang. Marc. Hop, on descend gentiment. Hop. Voilà. Fais-nous coup. C'est dangereux ici. Rentre chez toi. Bayek, tu es revenu? Où est Chenzira? Il voulait voir les crânes dans la tanière des hyènes. Non. Mais les hyènes, elles sont revenues. Je me suis sauvé par là. Chenzira est partie du côté du tombeau. Il y a de la chance que les hyènes ne t'aient pas poursuivi. Rentre au village. Je vais retrouver ton frère. Quoi? Il faut que je le dise à mes parents. C'est Chenzira qui t'a entraîné. Ce sera à lui de le dire. Maintenant, va. S'il en vit. Paf. Allez, Chenzira est où, ce con? Ce petit con. Allez. Merde, mais à chaque fois... Aïe, aïe. Je suis plus habitué au Wall 2 qu'au Wall 1, quoi. On peut pas casser ça, d'accord, très bien. Aïe. Oh.
Un petit coup pouvoir. Putain, ça aide bien ça. Il faut que j'aille où maintenant? Peut-être qu'il y a un... Non, il n'y a pas de trou. Peut-être ici ce machin. Ça c'est un os. C'est pas ce que je cherche. L3. Trouver la tablette ancienne. Mince, tombe de touche. Ouais. Ben je vois que dalle. Hein. Et ça, clairement, on peut le détruire, mais. Ah, à chaque fois. Peut-être qu'ils font pour une compétence, je sais pas. Réfléchis, mon petit taverne. Outils. Je dois pas avoir ce qu'il faut, je pense. Ou alors. Donc si je fais R2, on est d'accord, ça fait tomber la torche. Ah, pas vie. Logique. Ouais, non, je dois pas voir ce qu'il faut. Laisse tomber. Donc, on va plutôt suivre votre quête. Parce que bon, celle-là, apparemment, je suis un peu bloqué. Oh putain, le menu en mode souris, ça va être chiant par contre. À la longue. C'est con qu'il ait pas mis en mode manette, quoi. Peut-être que dans le 10 c'est le cas. Je sais pas. Attends, mais comme un caca. Trois cuirs. Ah ouais, d'accord. En plus, tu mets pas ta vie à chasser en plus. C'est cool ça. Pas d'autres animaux parce que. Ah, mais c'est bizarre parce que j'ai fait épingler, il me semble. Mais ça n'a pas épinglé et tout ça. Ah, voilà, là c'est épinglé, ok. Merci le jeu. Non, mais. Ça part comme une balle, quoi. Hop. Donc normalement, du coup, là... Ah oui, non. Pas eu de chance, j'ai eu qu'une peau, d'accord, ok. Petite piscine de chasser. Ça, c'est cool. Ça évite de me casser les roubignoles, là. Fabrication possible du coup évidemment. Ah mince, oh putain, t'en fais tout. Tac. Tadam. C'est quoi ça du coup? Gant de maintien, je peux pas mettre un arc du coup. Débloquer Allen.
De l'aptitude porte. Ah, c'est une aptitude. Ah, c'est un type d'arc différent aussi, fait que j'ai. Faut que je fasse gaffe à ça aussi. Ok, faut que je. La chouette. D'accord, ok. C'était rapide, cible localisée. La grotte cachée. La montagne au nord. Voilà la grotte à Manaï. Voilà. Aya et moi venions ici, enfant. Ah ouais. Les bons doivent être à l'intérieur. Pourquoi t'as besoin de la chercher si t'es venu ici quand t'étais enfant? C'est un peu chelou ça. Ah mais c'est un ennemi ça, ah, d'accord, ok. Je croyais que tout le monde était ami. Pas du tout. Pas du tout. Tous ont pas des gueules soldats. Mais... Quoi? Ah. Ah mais ouais, mais bon. Mais putain. Bah trompé touche, trompé touche, trompé touche, touche, touche. Ça aurait pas dû venir ici. Remuez-vous. Venez par ici. Pardon. Et mon bouclier, sert à quoi? Allez, chargez! J'ai survécu. Loué soit les. Comment je fais pour changer de cible? Ah, comme ça. Ah, ouais. Pourquoi il est mort, lol? Ah, parce que mon épée, elle empoisonne. Non, 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 ça y est, je me réveille. C'est pour ça que je tue plein d'ennemis sans... Mais ouais, alors, arrêtez de bugger par contre les mecs, parce que vous commencez à être... Je vais te tuer. Un peu chelou là. Oh, on se calme Michel. What? Oh, il est mort l'autre aussi. Lol. Putain, le poison, il est vénère, ça. Lui. Ses ennemis ou ses amis, ça. Ah, ses ennemis. Ah, je vais me mettre. Je vais faire mettre la exécution en hauteur. Voilà. Au revoir monsieur. Petit coup de flèche de haut là. Allez. Ah c'est bandit, y'a plein de loot. Ah ouais d'accord. Bon, ils réfléchiront à deux fois avant de revenir ici. Ok, ça c'est bon. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a des flèches partout, quoi. Ça c'est cool aussi. Il y a une de temps, regardez tout le temps. Avec ça, quoi. Mais du... Ah, il y a du loot aussi au-dessus. Bon, attends, on va remonter. Pas de problème. Hop. Hop. Voilà. Hmm. 15 minutes, faut que je fasse gaffe à l'heure quand même. Pas trop déborder. On peut faire comme d'hab. Ouais, c'était juste pour des flèches.
Il y a quand même des trucs au-dessus ou non? Oh, je suis monté pour rien. Triste. Bon, moi, cette quête, c'est fait. Est-ce que j'ai du meilleur loot? Je crois pas. Hein. Hop. Ah, il me fait voyer, putain. Ouf, putain. Puis je me suis levé plus tôt que prévu. Espoir le tombeau et rejoindre. Poursuivre. Je vais quand même essayer de la faire, la quête. Allez. Dommage qu'on n'ait pas un parapente là, ça serait pas mal. Ah non, mais non! Je voulais pas qu'il saute si loin. Aïe aïe. Bon. Tout le temps, mais game ça me gave. Ah, t'es toujours t'es avec des noobs ou ça tout c'est relatif, je pense. Tout en enfin, je pense que tout est relatif. Ah. Oh, loupé, triste. J'y croyais. J'en ai pas. Ah, mais si, j'en ai besoin de ça. Oh bah. Oh bah, d'accord. Putain, l'aigle qui a tué une biche, c'est normal ça? D'ailleurs, au niveau équipement, je vais juste vérifier un truc. Ouais, j'en ai besoin de 9 au moins. Oh, plus 14 là. Ouais, faut que je refarme ma donf en fait. Ouais, on va se faire ça. On va faire ma donf les poux. Enfin, le cuir pour être plus précis. Yep. Alors, comment ça se passe ici? Comment je casse ce mur? Comment tu casses les murs dans le jeu? Les murs cassables. Je suis comme un gogol à taper dessus, mais ça marche pas. Impossible d'atteindre toutes les. Je sais quel. J'ai brisé un de ces maudits. Les scarabées sont redoutables. Je reviendrai avec de quoi tuer ce secte. Merci de ton maudit conseil. Hein. Avec de quoi tuer des insectes. Oh, mais là c'est fragile aussi. Ah bah. Tout ça pour ça. D'accord, je m'emmerde pour un truc. Alors que c'était pas cassable. C'est pas grave. C'est quoi ça? Shenzira, reste où tu es. Je viens te chercher. Je vois même pas où il est, mais si tu me dis. Ah, c'est comme un... c'est un tombeau finalement ça. Attends. Voilà. Je peux pas le loot là. Ah d'accord, ok. Je vois le genre.
récupérer. Mais on veut pas casser. Bayek, c'est toi ? Tu es revenu ? Comment Chenzira a pu passer par ici ? Chenzira, tu n'as rien ? Putain, n'en reviens pas, tu ils fous pas ça, ils ont pas que ça à foutre. On obtient un matchmaking potable. Tu ne devrais pas être là. Je me cache des hyènes. Et Nuku m'a tout raconté. Prendre des risques, ça ne te suffit pas ? Il faut aussi que tu mettes ton petit frère en danger. Mais... depuis que Kemu... Ça va, je comprends. Viens, je vais t'emmener ailleurs. Bayek, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien le savoir. Ça doit être ancien. Un jour, j'apprendrai à lire ce qui est écrit. De vieilles écritures, de l'ancien royaume. Par où tu es entré ? Par là, mais c'est là que sont les hyènes. Oh, ça donne un point d'aptitude, c'est bon ça ! Bayek, je voudrais te dire... Qu'est-ce qu'il y a, Chenzira ? T'en fais obtenu, c'est bon. Ils ont demandé où tu étais, et j'ai pas pensé que ça allait tourner mal si je leur disais. Ne t'en fais pas, Chenzira. Je ne pouvais pas deviner ce qu'ils allaient faire. À ta place, n'importe qui aurait fait la même chose. Reste près de moi. Si tu le dis. Attends, mais... ah, mais je me suis téléporté à travers le mur. Je viens de capter. D'accord. Parce que quand j'ai voulu déplacer le truc, il a constaté que j'avais passé la porte. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça. Ah oui, d'accord. Il spawn. What? Ils sont toujours là. Non mais. Ah oui, non mais attends. On se calme. Vénère, ce saloperie. Je suis au milieu comme un con. Reviens là. Reviens là. Il n'y a plus de danger. Rentre chez toi. Putain. Mais il va mourir de toute façon à cause du poison. Ah oh bah voilà. Je sortais mon arc mais... c'était évident. Allez. Bayek. Je peux te demander quelque chose ? Non. Tu peux. Tu penses que je pourrais devenir Medjay un jour ? Eh bien, tu peux commencer par veiller sur ton frère, ne pas l'emmener dans des endroits dangereux. C'est promis. Maintenant, rentre chez toi. Allez, vas-y, dégage le mioche, là. Ouais, c'est bon. Ah, il y en a eu 3, c'est bon. C'est bon, bah nickel, écoute, ça se passe bien. Ma foi. Aptitude. Oh, 2 points, c'est bon ça. Et on peut peut-être prendre ça pour avoir les bases. Je pense qu'on va faire ça même. Tes ennemis avec un outil. Plus XP. Il y a le chat rapporte plus XP et on peut récupérer les flèches sur notre bouclier. Comme ça, moi, c'est fait. Attaque puissante chargée, je pense que ce sera peut-être le prochain truc. Je peux comprendre qu'en combat c'était assez important. C'est quoi ça? Ah oui, c'est fait, ok. Le camp, du coup, il est fait là aussi. Zone interdite, tu capitaine, pile trésor. Ok. Pourcentage du jeu, je dois être à 2%. Quête.
prisonnier au temple. Je suis niveau combien? Je sais même pas. Niveau 5. Parfait. La carte. Bon, STP. Trouver et libérer les prêtres retenus au temple d'Amon. Non, Naituri. Temple d'Amon, ça me rappelle la série. Temple, non, c'est pas Amon, c'est le temple d'Amon. Bon, ouais, pour ça, c'est pas correct. Rappelle la série Toutankhamon, le pharaon maudit. C'était trop bien cette série. Alors, ils ont eu que 3 épisodes, mais. Alors. Là-bas, ok. Let's go. Bon, je vais essayer en assassinant toutes ces salopures. Hein. Comme ça, au moins. Maudit paysan! Rendez-vous utile! Toi déjà. Que Dieu soit loué. Voilà. Hop là. Le monsieur, il dort. Alors, comment rentrer? Oh, on va rentrer par là. Plus discret. De par la grande porte, quoi. Ok. Personne. Il y a quelqu'un? Si oh. Je n'étais pas prêtre, je vous briserais le crâne à tous. Je peux pas l'exécuter? Ah là, je peux. Fais-moi sortir d'ici! Hop. Merde, libéré. Tout okay. Va bien? J'ai des plaies et des bosses. Et je peux marcher. Reste caché jusqu'à ce que tu puisses quitter le temple. Ok. Donc du coup les autres ils sont par là-bas. Hein. Les gardes, ce serait bien de se les faire là, ceux-là aussi. Oh, il m'a pas vu. C'est bon ça. Je vais t'étriper. Ah, ça a pas marché. Voilà. Hop. Oh putain. Mon arme à portée de la main. J'étais dedans de me faire cramer. J'ai utilisé le pouvoir de la chouette. J'en connais qui vont mourir. Oh merde. Oh. J'ai pas tous les avoir comme ça. Ce serait triste. Entre toi, je t'attends. En vrai, c'est tellement mieux que se battre. Rien. Hop là, allez. Ils seront tous morts là. Du moins assommé. Aïe aïe. Alors stationnaire. Ok. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. Y en a-t-il un... Ah bah y a les deux là, d'accord, ok, bah c'est bon. Ah mince, attendez, je vais. Oh. Un flamant rose. C'est par là. Il y a un truc. Là, j'arrive pas à le choper. Voilà. Il y a encore un truc à gauche. Je suis un peu looté au passage, hein. Classique. Voilà. Et il y a plein de trucs dans le temple aussi. Bah tiens, on y va juste après, t'es quoi. On va faire ça. Ah merde. Bonjour. Ça demande beaucoup de travail de devenir aussi bête.
C'est qui lui? Mince, je me trompe de. Niveau 5 par contre. Hein. Oh, oh, oh. Faut que je pense à appuyer sur carré, ça a l'air cheaté. Ah, ça c'est con par contre. Ah, mais je suis débile aussi. Mais en fait, il y a tellement d'effets sur l'écran que j'arrive pas à voir quand ça m'attaque. Salut petit toi, même sur le stream. 18h, il va falloir bientôt j'arrête. Tu vas faire une pause, après tu reviens sur The Kudo. C'est ça. Ça c'est la même. Ils ont tous respawn, j'imagine. Normalement, il y aura déjà Knight aussi. Je sais pas si tu viendras aussi. Ne veulent pas attirer l'attention ici. Vieux habitants, que je les interroge. Les aînés, seigneur, l'un d'eux aura peut-être quelques informations concernant. Et j'avais pas assez spot les ennemis, c'est pour ça que je me suis fait griller. Ouf. Oh, il y a du monde quand même. Attends. Non disponible. Ah, ok. Ah, voilà, c'est eux là qui m'ont grillé tout à l'heure. Ah. Ok. On va se faire les gardes déjà à l'entrée. Oh putain, mais il y en a qui arrivent. Ah, il apporte des ressources. Il est dans ce sens là l'ennemi. Il y a lui qui regarde le mur. D'accord. Moi je continue spot. Il y a un mec. Ah, il y a un mec là, j'en ai plus. Ok. Ah, c'est plus propre déjà comme ça. Ah merde. Il se doute un petit peu. The Crew vers 19h, c'est ça. De 19h à 21h, on mange sur The Crew. Donc là, j'ai bientôt arrivé parce que sinon, on en mange, je mange en 1h. Donc. Ah merde, non c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un milliard de chameaux là. Les dieux ne vous le pardonneront pas. T'inquiète pas, les dieux vont pas les pardonner. Merde, je suis dans l'eau. J'avais pas vu. J'ai même pas vu qu'il y avait de l'eau. Alors, ah, du loot. Précieux loot. Bayek, s'ils te trouvent, ils te tueront. Sans blague. S'ils te trouvent, ils te tueront, sans blague. Le trésor pillé, 1 sur 3. Super bien qu'il y ait plein de zones comme ça à piller et tout. C'est parfait pour un pilleur comme moi. Les dieux ne vous le pardonneront pas. Oh, comme à la Black Flag, il y a même principe. C'est bon ça. Alors, j'ai le monsieur là. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. Plus on met dans les fougères. Bayek, c'est vraiment toi? Chut. Tu gueules, Bayek, c'est toi. Nous devons arrêter cette folie.
Cache-toi là, en attendant de pouvoir partir sans être vu. Par la grâce d'Amon, ils sont tous là. Nadio, you did it! Voilà toi. Ok, pourquoi hein? Trouver une nouvelle quête. Ah non, mais je suis un peu en train d'assassiner un mec, quoi. Je suis bien, mais... Ok. Oh, il se met à bouger, lui. Il me montre son dos, c'est parfait, ça. Oh, il y a un soldat là-bas encore. Est-ce que je vais réussir à les enchaîner? Je dirais que oui. Ah! C'est un problème là. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh lol! Oh lol! Ah, les IA qui sont sourdes! Ah merde! Pardon, pas avec moi. Prends ça, Sharon! Hé hé, je suis. Oh quoi? Ah oui, ouais, bon après je doutais un petit peu, j'imagine. Aïe! D'accord, je tape dans le vent. Ah d'accord, ah très bien. Putain, pour sortir du combat, c'est galère, hein, putain. J'ai l'impression d'être collé à ton ennemi. T'es toujours lag, là? De quoi? Ouais, ouais, je suis toujours... Mais... Voilà. Ouais, je suis toujours repéré, c'est ça? Ouais, je suis repéré. Je suis obligé de faire le mec genre, mais... Ouais, t'es mort, toi. Bonjour. Oh putain, mais y'a plein de gros. C'est quoi cet endroit? Y'a un milliard de gros, quoi. Oh putain! Les chameaux maintenant, et... Non mais ça va? Alors par contre c'est des snipers quoi, vraiment les mecs. Pour loper une flèche c'est rare quoi. Ils m'ont vu là, ouais clairement. Ok, bonjour. Non mais... Oh là, horrible. Ah mais... Trompé de touche. Non mais évidemment quoi. C'est encore une flèche qui m'a touché j'imagine. Bon de toute façon on a fait la quête, on se casse. Putain. Ils auraient d'être horribles les archers, hein. Putain. Des putains de snipers. Bon, on reviendra quand on aura des trucs plus efficaces parce que là. De toute façon, j'ai fait la quête donc. On va aller juste là. C'est à combien de mètres? Allez, loue ma monture. Par le grand Amon! C'est notre Bayek! Prudence, Bayek. Siwa n'est plus comme autrefois. Merci, Maru. Bon, je vais y aller. Ok. Les collègues de Warship m'attendent. Ah bah Montserrat, c'est Warship. Qu'est-ce qui... Ah la dalle à visée, elle est cheatée. Elle est totalement cheatée, la dalle à visée. Ah, je fouille leurs potes, ils s'en battent les couilles. La prochaine fois, je... Merde, putain. Je prends la sorte d'être seul, d'éviter d'être... déposé. Je prends la sorte d'être seul, de pas être en vocal. C'est mieux, je pense, pour stream sur un jeu solo. Comme ça, moi, je peux dire un petit peu ce que je m'en fous. 300 mètres, mais... J'ai appelé, je sais pas combien de fois, mon cheval. Ah, ça y est, ça fonctionne enfin. Bah, dis donc. Pas de pressé, quoi. Ça a pas l'air d'aller.
Ah d'accord, et là genre tu lâches la manette et c'est la belle vie. Bon, je vais faire un petit résumé de ce que je pense du jeu. Après cette découverte, bon, mais il va y avoir clairement plein d'autres streams dessus, ça, bon, ça c'est, voilà. C'est assez évident. C'est un jeu où il faut loot et tout, j'adore. Attends, c'est juste là, hop, 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 hop. Et c'est dingue, c'est super. Je savais déjà à quoi m'attendre parce que j'avais déjà regardé plein de fois mon frère jouer, donc ça m'avait déjà pas mal attiré. C'est pour ça que j'avais acheté le jeu finalement. Mon cœur est empli de joie de te revoir. Et ben voilà, finalement ça n'a fait que confirmer l'essai, on va dire. Un peu comme au rugby. Bref, voilà, donc du coup je vais avoir plein de streams dessus. Je pense que je vais intercaler The Crew 2 et Origine, ou alors quand je vois que il y a des soirs où j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête et faire du jeu solo, je crois du jeu solo, bah ce jeu là quoi. Bref, tu sais quoi, je vais pas lancer la quête, on va s'arrêter là. Merci à Night et à Petit Tonin d'être passé, merci aussi à Zelef. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à tout à l'heure sur The Crew 2, normalement à 19h du coup je serai normalement sur The Crew 2 sur Twitch. Non, moi je serai en compagnie de Knight s'il est dispo directement et peut-être The Bilou, on verra. Je sais que là The Bilou en tout cas il est, bah, vous avez vu, il est parti sur Warship avec ses potes. S'il en a marre, peut-être qu'il en rejoindra, on verra. On verra, bref. Bah je vous dis à tout à l'heure. Allez. À plus, Plutonin. Ciao, ciao.